Monsieur Bouabdelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes de passage à Genève. Quel est votre programme? Ben, mon programme, je suis venu pour faire la prospection et pour la promotion du parti auprès de nos compatriotes tunisiens à Genève, en Suisse et en même temps aussi à Paris. Vous allez rester longtemps ou... Ben, ici, c'est une affaire de, disons, 24 heures, mais à Paris, c'est depuis 3 jours où parce qu'il y a beaucoup plus de population tunisienne à Paris. À Marseille, et à Toulouse et à Lyon. Et Nice aussi. Racontez-nous votre 14 janvier en quelques mots. Ben, mon 14 janvier, moi, si vous voulez, je l'ai vécu, j'étais tout heureux. J'avais même pleuré de joie parce que, quand même, pour nous, c'était vraiment la dictature. Et j'étais, comme tous les Tunisiens, favorable au départ du dictateur. Et j'espère que maintenant, nous allons faire notre deuxième révolution, disons, pour la liberté, la démocratie pour la Tunisie. Ce sera un pays démocrate et sans retour au passé. On doit oublier le passé. Pourquoi vous avez nommé votre parti libéral maghrébin? Ça, c'est la question que ça se pose tout le temps, je sais pas. Je l'ai appelé maghrébin parce que il faut voir une vision lointaine pour l'avenir de notre pays. En Tunisie, nous avons de l'intelligence et on doit quand même profiter pour pouvoir. Ce n'est pas le mot accaparer pour pouvoir avoir les marchés pour les jeunes, pour notre jeunesse tunisienne. J'ai dit que en 2015, le nombre de Tunisiens sera à peu près de 15 millions, alors que le nombre de Maghrébins sera, de tout le Maghreb, de près 100 millions. Vaut mieux. Il n'y a plus de parti pour les petits pays comme la Tunisie. Il faut que ce soit le Maghreb entier. Lorsque même on veut traiter avec des grandes puissances. En Tunisie, on vous connaît plus que votre parti. Qu'est-ce que vous allez faire pour y remédier? Ça, c'est la grande question. C'est vrai, parce qu'on parle du Maghreb, parti maghrébin, ne connaissent pas, les Tunisiens ne connaissent pas, mais lorsqu'on dit Bouabdelli, c'est vrai, c'est quelqu'un de propre. C'est le mot qui revient toujours. Je suis obligé d'aligner, disons que, mon nom au parti. Pour dire le parti maghrébin, c'est Bouabdelli pour l'instant. Et on va essayer de faire une promotion à travers les médias pour que les Tunisiens connaissent notre parti. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui à 100 partis. C'est très difficile quand même très difficile de percer, voilà, c'est le mot, à travers ces 100 partis. Sur votre site internet, j'ai vu votre programme, il est étoffé et je trouve qu'il y a trop de pages. Vous pensez pas faire quelque chose de plus simple pour attirer l'attention sur vous? Parce que là, je pense pas qu'on aura le courage de tout lire, quoi. C'est vrai, nous avons pensé, si vous voulez, un petit peu une pensée européenne, de dire voilà, nous avons un programme qui fait à peu près 60 pages. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer, d'après les conseils, avoir des peut-être faire des pour chaque programme, peut-être une feuille ou mettre les grandes lignes, c'est tout, pour que puisse le peuple tunisien comprendre le programme. Quelles sont vos priorités actuellement? La priorité, c'est l'enseignement chez nous. Sans l'enseignement, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire d'investissement, on peut rien faire. Donc, en Tunisie, nous sommes obligés de revoir tous les programmes de l'enseignement, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la formation professionnelle. Revoir en détail, évidemment avec une stratégie à long terme. Parce qu'actuellement,
Tous les Tunisiens savent bien que le programme, l'enseignement chez nous a baissé, le niveau a baissé. Il faut y remédier immédiatement. Actuellement, il y a une instabilité en Tunisie, que ce soit économique ou sécuritaire. Est-ce que vous avez une solution? Moi, je veux une solution. Il faut avoir un gouvernement fort, quand même, pour pouvoir maîtriser tout ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Et il faut que l'État prenne en charge tous ces déboires qui se passent. Parce que là, c'est bien beau de dire, voilà ce qui se passe. On connaît les gens qui participent au désordre, mais on ne fait rien. Et donc, il faut un gouvernement fort pour diriger ce pays. Vous avez l'impression que ce gouvernement, il fait du statu quo. Un petit peu, oui, exactement. Est-ce que votre parti, il est prêt pour le 23 octobre? Après, disons qu'à 80%. À 80%, nous sommes prêts. On sera prêts. Monsieur Bouabdelli, je vous remercie. Merci beaucoup.